t'es comme moi, si t'es dans une période un petit peu blanche, ou c'est-à-dire que tu sais que ta prochaine course, ton prochain objectif est loin. Alors moi, je vais te révéler un petit peu mes petits conseils pour gérer cette période. Des petites choses qui fonctionnent pour moi et qui peuvent éventuellement fonctionner pour toi aussi. Donc je te donne ça de suite. La première des choses que tu dois faire lorsque tu as passé la ligne d'arrivée de ton objectif, c'est récupérer. C'est-à-dire récupérer mentalement, récupérer physiquement, ranger tes chaussures, laver tes vêtements, mettre tout ça dans un placard, tu fermes la clé, tu touches plus pendant 2 à 3 semaines. Tu as respecté cette période incompressible de 2 à 3 semaines de récup. Maintenant, il est temps de reprendre. Mais tu ne vas pas reprendre n'importe comment. C'est-à-dire que tu vas reprendre de manière calme, souple, sur un terrain plat, sans dénivelé et sans prise de tête. C'est-à-dire que si tu dois alterner marche-course, tu alternes marche-course. Ce n'est pas un problème. Le tout, c'est de faire ça à peu près sur 3 à 4 semaines pour pouvoir permettre à ton corps de revenir en fait progressivement à l'effort. Mais en respectant malgré tout quand même ton endurance fondamentale, c'est-à-dire d'être en capacité de parler, de chanter, de faire ce que tu veux, mais il faut que tu sois sur une basse intensité. Je tiens quand même à te préciser que ta reprise doit être faite de manière progressive, c'est-à-dire que si ta première séance était de 30 minutes, les prochaines tu vas les augmenter d'environ 5%, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que tu ailles partir directement sur une sortie de 2 heures voire 3 heures sous prétexte que tu as fait par exemple un ultra 3 semaines avant. Non, non, je compte sur toi. Bon, maintenant qu'on a respecté tout bien comme il faut, on va pouvoir mettre un petit peu de fun en rajoutant de l'intensité non codifiée. Une séance de fartlek d'une heure où tu vas faire par exemple 20 minutes d'endurance fondamentale qui va être ta période d'échauffement. Et ensuite, tu peux très bien partir sur 10, 15, 20 minutes à courir à la sensation où le cardio, clairement, tu t'en tiens pas compte. Puis ensuite, tu finis ta séance de 10-15 minutes, retour au calme. L'objectif, c'est de t'amuser, hein, très clairement. On ne cherche pas à gagner une dominante de VMA, d'oxygénation, hein, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment de partir en nature sur une heure et puis de s'éclater, voilà, tout simplement. Comment on intègre ça dans la semaine ? Ben, en fait, ça va être très simple. Si par exemple, tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu vas faire un petit peu moins pendant cette période blanche, tu vas faire que 4 fois. Si tu veux vraiment maintenir tes 6 séances, auquel cas tu vas faire par exemple 3 ou 4 séances de course à pied, en alternant haute intensité et basse intensité, et ensuite tu peux intégrer d'autres sports, comme le vélo, comme la natation, comme la marche, comme la randonnée, voilà, comme tout plein d'autres choses. Alors bien évidemment, on n'oublie pas le renforcement musculaire. Il est intéressant de l'intégrer pendant cette période-là. Alors bien évidemment, tu ne vas pas chercher à gagner de la grosse masse, mais c'est juste faire du maintien pour maintenir un certain dynamisme musculaire et puis ensuite pouvoir rebondir plus fort lorsque tu reprendras tes entraînements pour un prochain objectif. Voilà, hein, si ça s'achève, c'est les petits conseils que moi je peux te donner. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en bas de la vidéo en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et bien évidemment à cliquer sur la petite cloche de notification qui te permettra de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao !